Bonjour et bienvenue pour ce 9e épisode de ma campagne dans Space... Space Hulk, j'allais dire. Warhammer 40 000, Inquisiteur Martyr. Ok, on est en train de faire à la fois la quête principale et une quête secondaire. On va continuer comme ça. Alors, 130 ou 230, ben, on va faire ça, hein, ça me paraît pas mal. Si je monte ici, ça fait de quoi ? Ouais, c'est un peu chaud. On va rester raisonnable, surtout qu'on a vu la dernière fois que dès qu'on change un peu le niveau de difficulté, ça commence à être chaud. Enfin là, ça devrait quand même le faire, je pense. Mon enquête m'a mené aux catacombes inexplorées sous la ruche. J'ai découvert qu'une tribu disparate de mutants est responsable des disparitions, mais que les véritables maîtres forment un culte appelé les Fils Abandonnés. Les Fils Abandonnés utilisent ces mutants comme des pions. Il est temps de se rendre à leur cachette et de les faire se confesser. Les dangers, armes immobiles, adeptes du chaos, machines rebelles, démons du chaos. Psyche rebelle. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si ça a un impact sur la mission principale de faire cette mission secondaire. L'avenir nous le dira peut-être. Bon, comme d'habitude, j'ai pas joué depuis un petit moment. Donc, il va falloir que je me remette dans le bain de mes accélérateurs. This must be the lair of the cult. Foul, lying heretics. Their blight must be undone. Purge them all. Alors, on va essayer d'aller sur les côtés. Rien de spécial. De l'autre côté. Non, mais... voilà, c'est juste immonde. Âme sensible, s'abstenir. Alors c'est quoi ça? Élimination, sérieux. Ok, c'est des buffs. Mais je pense qu'il faudra aussi jeter parfois des coups d'œil sur les... Ok, il y a un boss. Viens mon petit, viens chercher bonheur. Putain, le décor est juste, mais... juste somptueux. Hein. Alors, on va ouvrir ça. Des fois, il y a des éléments de décor qui nous bloquent sans grande raison, quand même. Hein. Il y avait le trou. Attention au trou comme ça qui bloque effectivement les charges. Là il y a du monde. Bon là ça va pour l'instant hein, sur les dégâts. Attention, il y a beaucoup de monde par ici. Oula, oui, il y a énormément de monde même. Ah,
Ah. Alors, on va déjà aller voir si on a tout nettoyé par là. Il y a de nouveau des caisses. Ok. The prisoners were here. There are no survivors left. May the Emperor give me the strength to avenge them. Faire attention à ça. Parfois j'ai mon jetpack qui est déchargé. Un implant neural. Qu'est-ce qu'on a ici? By the Emperor, a demon was bound to the chest. Donc on n'oublie pas. I wonder why this chest was so heavily protected. Une armure de destruction bleue. Ok. Ouais, donc attention, il y a des coffres qu'on voit pas vraiment. Alors. Vraiment beaucoup de matériel là. Ok, j'ai rechargé mon bouclier. Grosse salle. For the Emperor. Kill the heretic. Pas sûr que mes cibles aient été bien choisies. Pas toi, reste là. Kill the heretic. Die, heretic. Bon, je pense pas que ma gestion du combat ait été optimum. En l'occurrence, hein. Spark of the machine spirit detected. This abhuman specimen must have kept a cogitator. The possibility of proper litanies being enacted to commune with the machine spirit is merely statistical. Further investigation still recommended. A cogitator here. Cassera le premier fils, Garalas le deuxième fils, statue. Gloire aux fils et aux frères. Second des fils abandonné, la communication Vox devient très difficile. Bien que l'étincelle de vérité ne puisse pas être éteinte, ni la voix des apôtres étouffée, nous sommes désormais limités à l'utilisation du réseau du cogitateur. Malheureusement, le prisonnier qui assurait la maintenance de nos appareils n'est plus à notre service. Mais je ne doute pas que nous pourrons bientôt le remplacer.
En parlant de temps, la vermine mutante doit se dépêcher. Nos maîtres nous pressent de continuer. Les offrandes, mais nous manquons de sacrifices. Fils et frères, dites-leur de rassembler tout ce qu'ils trouveront dans la basse-ruche. Le monolithe s'agite déjà, la lumière est plus vive à chaque offrande aux dieux, et nous ne pouvons pas décevoir nos maîtres. Que votre étincelle de vérité s'allume, mort au faux empereur, le premier. Alors, je regarde si on n'a pas ici un coffre qui m'aurait échappé. Ça c'est quoi? Ça a l'air de briller là. Ouais, il y a un coffre ici. J'ai quand même pas... Ah, un seau de pureté violet, ça c'est intéressant. Alors on va regarder un peu la carte. Donc là il faut que je revienne en arrière et après je prendrai à droite. Donc on va recharger du coup, puisqu'on a quand même pas mal pompé là. Ok, on n'est pas complètement chargé. Incoming gas attack. Time to leave this lovely place. Attention à ces saletés de gaz attaque. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ce soin là. Ok, grande salle, on va essayer de tourner pour éviter de tout se prendre dans la tronche en même temps. Dozens must have been sacrificed in this slaughterhouse. Life in the underhive can get worse, it seems. Inquisitor, numerically, a few hundred deaths have no impact on the functionality of a hive. Very reassuring. Anything else to report? Definitely. Augury units sense peculiar energy traces from a cortex circuit. Inquisitor, there is a dysfunctional initiate of the Adeptus Mechanicus among the bodies. First the servo skulls, now this. Tech Priest, I want a full analysis and report once I am back on the ship. Ok, du coup on va au centre, on va déclencher ce truc. Alors attention, ça pue le piège à con. Encodé par le Procodolavius Mechanicus. Transcription d'enregistrement Cognis, enregistrement d'implant cortical lexico, etc. Un examen plus approfondi de l'édifice n'a pas eu les résultats attendus. Grâce aux champs électromagnétiques et radiométriques, nous pouvons établir que la structure Alpha 04554F, ou le monolithe, comme l'appellent les non-initiés, a plusieurs millions d'années standard, mais nous ne pouvons en extraire l'échantillon. Les procédures liturgiques de sondes moléculaires n'ont donné aucun résultat. L'unité Sigma 11 de l'expédition réquisitionnaire croit fermement que le sujet Alpha 04554F est habité par un esprit de la machine ou au moins par une étincelle de force motrice. Nous avons tenté plusieurs psaumes d'induction, mais si un esprit de la machine habite cet édifice, il est en sommeil ou refuse de répondre à notre appel. Une anomalie statistique mineure est apparue dans l'appareil empyriométrique, mais données corrompues, enregistrement endommagé. Strange. This data slate entry is decades old, and the monolith was inactive back then. I'm sure the tech priest would be thrilled to see that it has become quite active since then. Ok. Regardez-moi ces images, hein. Magnifique. Alors, je sais pas combien de temps ça a duré, on va regarder ça. 13 minutes, bah du coup on va embrayer sur une autre. Alors, niveau 10. Ah.
aucune des armes que je voudrais. Un bouclier. Ah, on va peut-être regarder l'épée, mais bon. J'ai comme un doute. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer? Ah, on pourrait améliorer ça. Le bolter. Type d'élément dégagé. Bouclier de tempête. Ah, ça serait pas mal d'en avoir un. Alors, on va regarder ce qu'on a. Alors déjà, les compétences. Est-ce qu'on va plus loin ici? Je sais pas trop où aller en fait ensuite. Est-ce que là, il n'y a pas un truc qui nous aiderait pour... Et ça, de la régénération de PV, ça m'intéresse quand même. Hein. Alors ça m'intéresse. Comment je fais pour y aller à ce truc là? Attendez, je relise. Lorsque les PV max du personnage sont inférieurs à 25%, le rechargement du liculateur est réinitialisé. Donc ça, si je comprends bien, ça veut dire que je dois pouvoir me soigner en fait. D'accord, on va faire ça. On va faire ça. Ça me semble pas mal. C'est bizarre, d'ailleurs j'ai pas fait attention à ça. Mais on a... récupérer deux points d'un coup, j'ai l'impression. Je suis pas sûr qu'il soit mieux celui-là. Donc ça, on va le vendre. Les fusils, on va tous les vendre. Alors ça, on va regarder quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On la prend ou pas? Non. Ok, les fusils on les vend. Même ce pistolet laser. Ok, alors maintenant on regarde ça. Alors sauf que c'est des armures qui me plaisent pas, donc on va forcément les vendre. Alors ça, ça m'a l'air mieux. Donc on va prendre. Ça on vend. Champ de force. Est-ce qu'il est vraiment mieux? J'en suis pas sûr. Hein. Je préfère avoir des compétences, enfin des... Vous voyez, des plus. Et donc visiblement sur un objet bleu, il n'y en a que deux. Et sur un objet vert, il y en a trois. Donc voilà, ça rend le truc. On va prendre ça. Vous voyez, là, vert, ça m'a l'air vachement mieux, ça. Ça vertu résistance physique résistance au warp la vitesse de déplacement en plus c'est quand même intéressant. Alors le saut de pureté on va prendre celui-là hein. Plan oculaire. Donc là ça se discute. Alors mais suite gauche et... il me parle de dégâts sniper visés. Alors on va prendre ça. Et celui-là, tant pis, on va le vendre. J'hésite sur celui-là. Ok, je pense qu'on est bon. Donc on va vendre tout ça. J'ai toujours pas un truc sympa pour ma hache. C'est bien dommage. Allez, on va vendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on aurait ici? Non, je vais pas prendre une armure grise alors que j'ai une armure verte quand même. On
va changer d'arme. Alors c'est dommage qu'on puisse pas... Enfin je l'ai pas vu en tout cas. Ouais, enfin je l'utilise pas, je vais peut-être pas dépenser des sous là-dessus quand même. Non, ça c'est moins bien que ce que j'ai. Canon à plasma, bâton de force, fusil graviton, bâton télédite, armure hololithique. C'est pas ce que je porte hein, les armures hololithiques. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on va faire et on va dans tous les cas bah, enchaîner hein, l'ennemi d'en bas. Alors pourquoi est-ce qu'il me l'a... Donc ça c'est de nouveau... Ouais, il y a un truc qui m'échappe. Ouvrir le journal. Parler au micron, bah oui. Au micron, c'est qui? C'est lui. Voilà pourquoi. Tech priest, I couldn't help but notice that the tech priest I found at the monolith was a member of a requisitional expedition, just like you. They conducted research here, and now the monolith is stirring. Makes me wonder why these expeditions are always connected to heretical activities. Care to explain? As you request. Full disclosure is the most logical solution at this point. Everything else hinders efficiency. The Adeptus Mechanicus, much like the Inquisition, includes many factions. The requisitional expeditions served as a cover for the secret operations of our factions. D'accord. Elaborate, Tech Priest. We are the Xenorite, specializing in research into Archaeotech and Xenos relics in the Caligari sector. Are you confessing to tech heresy? Negative. Several Forge Worlds provide discrete support to us. 67.8% of the local Xenorites serve Inquisitors, mostly the ones you call Radicals. Should I find this reassuring? It doesn't mean it is not heresy, only that it could be widespread heresy. Logical conclusion. Communion with the Cortex records revealed a hexamathic code with the coordinates of the Xenorite base under the Hive. Investigating the location could provide useful data. Or a meeting with some more wretched cultists. Okay. Okay, donc on va y aller. C'est parti. Bah, je suis au-dessus de toute façon. Alors si je faisais ça, j'aurais quoi? Bon, on va rester en normal. Mon investigation me conduit à des endroits très sombres au sens propre comme au sens figuré. Les malheureux citoyens de la ruche ont été traînés et sacrifiés dans un ancien monolithe d'origine Xenos. Toutefois, fait encore plus déconcertant, j'ai découvert des traces d'une ancienne expédition de l'Adeptus Mechanicus à la recherche des mêmes reliques Xenos. Avec l'aide de mon technoprète, j'ai localisé leur base en ruine dans la base ruche. J'espère y trouver des réponses. Alors, Marine du Chaos. D'accord, arme immobile, machine rebelle, machine du chaos, adepte du chaos. Ok. Ah, des autos. Des sentinelles, ok. Bon. Alors attention les yeux. Préparez les boucliers et les soins. Ouais, la compétence que je veux débloquer, je pense qu'elle est sympa, quoi. Data search detect three locations with faint traces of machine spirit activity. Closer inspection recommended. Marauders defiling the sanctuaries of the Omnissiah need to be eliminated. Regardez ces engins, ces machines là. Ça commence avec des gros groupes quand même. Hein. Ok. Unclean!
reprendre notre souffle. Il y a des gros groupes là. Ok, champion du chaos, World Bearer. On va pas prendre de risque. Soulbound warp creature protects the chest. Most remarkable. Kill the heretic creature. I wonder why this chest was so heavily protected. Mon Dieu. Je pourrais looter des trucs qui me plaisent. Security door is locked with a code anathema, a primitive but efficient method to bar the mechanics. You should be able to override it. Ok, on va en emmener quelques-uns par ici. Boss en plus là. Recoil, unclean. On va y aller. Vénérable champion, on va tout de suite faire ça. On va faire ça aussi. Putain, mon bouclier est déjà mort. Hein. Calme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un coffre. On va l'ouvrir déjà. Et ici, on peut faire ça. What have you learned, Inquisitor? A wise man learns from the deaths of others. Let's see what this lecture is. Dernier mot. À quiconque trouvera ce message, puisse l'enfant Dieu avoir pitié de moi. Ils m'ont trouvé au fourneau et m'ont obligé à m'occuper des cogitateurs qui sont le seul moyen de communication fiable de la basse ruche. Puisque l'Omni-Messie me pardonnait, je devais le faire, même si je ne suis qu'un ouvrier de baron et que je ne connais pas les bons cantiques. Je me suis enfui dès que j'ai pu.
mais on m'a retrouvé. Maintenant, je suis enfermé ici. Je préfère encore mourir de faim ici que de subir le sort des prisonniers. Même dans la mort, je servirai l'empereur avec le peu que je sais. Seul le chef des hérétiques, Cassora, le premier fils, sait ce qu'il mijote. Mais des Astartes renégats sont impliqués. Je les ai vus. J'ai vu la terreur incarnée. Le cogitateur principal de la base de recherche est encore intact. Utilisez mes litanies d'accès. Gloire à l'empereur Dieu. Regardez-moi ce saut comme il est beau. Ok. Alors, je sais plus où j'en suis, moi. Donc, on a exploré qu'une seule zone, là. Ok. Donc, on va repartir sur la gauche. Par contre, il y a une caisse pour laquelle j'ai pas tout récupéré, je pense. Donc, on va y aller tout de suite. Ok. Je suis vraiment fan de ce décor. Ah, le trou, mon Dieu. J'ai deux fois que je me fais avoir avec ces bêtises. Venez chercher bonheur. Alors si c'est une cul-de-sac ça. Incoming gas attack. Time to leave this lovely place. Aller par là encore. Vénérable champion. Il n'y a rien par ici. Oh, les jeux de lumière, vraiment terribles, exceptionnels. Par là, ouais. Recoil, unclean. Thank you.
fellow seeker of the truth. I'm afraid that you can't receive the teachings in your current state. Let Ulrax the Forsaken free you from the bonds of your existence. What is this? No, master! I was faithful! Oula. Looks like your friend freed you from the burden of your limbs. Emperor, be my shield and strength. Left. Send him up to the ship, and I will stabilize him for interrogation. Bon, alors le problème, c'est que les messages, moi, j'ai pas le temps de les voir en plein combat. Hein. Il y a d'autres choses que j'ai pas vues ici. Non, je crois pas. Pas de coffre caché. Il ne semble pas. The Emperor's justice to the faithless and avenged countless innocents. Non. Moi, je suis pas d'accord. Je suis où? Faut que je revienne en arrière. Ok. On va essayer de finir l'exploration de tout ça. Donc, que je me plante pas. C'est droite et gauche. Ok. Par là, putain. Non. Il y a du gaz ici. Mais bon, je préfère faire ça. Prendre un peu d'air. Die, heretic.
Ok. Alors, un coffre. Ça commence à être saoulant. Donc, on va faire le tour, voir si on n'a rien oublié dans cette grande salle. Non, il semble pas. Donc, j'ai l'impression, hein, c'est dommage qu'on n'ait pas l'analyse... Oh là ! Qu'on n'ait pas l'analyse de ça, mais le feu fait quand même vachement de mal, hein, j'ai l'impression. Alors, gloire à la vérité. Nous avons éliminé les corps des technoprêtes de la base. Votre magnifique entrée n'a laissé presque aucun survivant. Il ne restait que quelques serviteurs. Mes disciples ont capturé dans les fourneaux un non-croyant qui a pu établir un réseau de communication fiable et effacer les archives concernant les monolithes. Il va se mettre à la tâche immédiatement. Mes initiés ont commencé à rassembler des offrandes pour les dieux des ténèbres. Les résidents de la ruche se sont révélés utiles à notre cause. Tout se déroule comme vous l'avez dit, maître. La lumière du monolithe est faible pour le moment, mais comme une tornade en formation, elle se renforce à chaque âme envoyée dans le warp. Avec le temps, elle deviendra une puissante tempête. C'est une bénédiction des dieux que les bonnes constellations pour la grande offrande ne seront alignées que dans 30 ans. Je guiderai le peuple vers la vérité et nous aurons le temps d'offrir des milliers de vies aux dieux. Je vous ferai part de mes progrès. Béni soit la vérité et mort aux faux empereurs. Allez, on va quitter cette fois. Donc attention, hein, je frôle les ennuis. Il faut accepter de reculer, de se cacher, de prendre la fuite un petit peu. C'est pour ça que j'ai besoin aussi d'être mobile. Il n'y a pas de hache dans le jeu, hein. On n'en loot pas, hein. C'est quand même emmerdant, mais bon. Ok, là je suis avec ça, ça tombe bien, parce que je crois que j'ai pas mal d'objets qui sont liés à ça. Voilà. Alors, quelle est la différence? Bouclier de tempête, 35, ça absorbe moins. On va étudier ça de près. Ça. Bouclier tempête. Non mais il est moins bien que le vert, donc on va pas le prendre, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Alors ça. Non, on va vendre ce truc. Ah bah voilà, ça c'est sympa. Alors, il faudra que je regarde comment on fait pour fabriquer les choses. Donc ça, je vais le vendre. Ça, mine assourdissante, je le vends. On vend, on vend. Donc le bouclier, on a dit... Non, ça, il faut que je le vende. Ça. Non, je crois que celui que j'ai est mieux. 77 en dégâts. De toute façon, je l'utilise pas. Donc, je vais vendre tout ça. Maintenant, celui-ci. Non, pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, je vais juste vendre tout ça. Alors, dans 3.46, ça va se remettre à jour. Donc, on va juste parler. How did the interrogation go? The subject had severe objections to the procedure. But once I rearranged certain neural pathways and removed a few non-vital appendages, he became very compliant. I have a full report if you're interested in the details. A summary will suffice. The word bearers wanted to take out this fool once their schemes were compromised. They are hiding in the depths of the Underhive by the largest monolith.
They will soon perform a grand ritual and sacrifice the remaining prisoners. These foul traitors and their craving for rituals. Anything else? The Xenox devices are somehow connected to these dark practices, but the heretic had no additional information, apart from the usual ramblings. How should we proceed, Inquisitor? We need to act immediately. We need a precise surgical cut to sever the head. Precise, surgical, and cuts. Excellent premises. We will start preparations at once. Ok, eh ben écoutez, on fera ça la prochaine fois, arrêtez le rituel. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je crois que c'est tout. Non, on est bon, puisqu'il faudra faire ça la prochaine fois. C'est quoi cet indice? Ok, non, non, mais il faudra arrêter le rituel des Worldbearers, ça me semble judicieux. Ici, on n'a rien de nouveau. Ah, si, c'est ça que je voulais regarder. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? Bon, je crois qu'on est sur le bon truc. Vivement qu'on en ait d'autres, hein, parce que ça a l'air vraiment sympa. Alors, j'ai pas beaucoup. Réduction des dégâts à 29, déviation de 20. Est-ce que ça change, d'ailleurs, quand on fait ça? Eh ouais. Évidemment, les stats sont différentes en fonction du fait que je porte un bouclier ou pas. Donc ça, c'est good. Ça, c'est bon. Comment est-ce qu'on débloque ça? Parce que j'avais vu des trucs... Ouais. Vous voyez, ce genre de truc, ça m'intéresse vachement, mais je sais pas comment on fait. Et ça, c'est pareil. Ok, je pense que il faudra que j'aille vers la voie puritaine. Hein. Ça, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que il va falloir choisir entre l'une et l'autre. Hein. Alors c'est où est-ce que j'ai... Oui, c'est celle-là que... Ouais, ça, ça me semble essentiel. Ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre dans les PV. Bon, dans tous les cas, je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vous dis bah, à très vite pour la suite.